les merveilles incroyables de la demande de pardon à Allah, istighfar. L'imploration du pardon d'Allah lorsqu'elle est sincère est la solution à tous vos problèmes dans cette vie. Si vous vous sentez opprimé par l'angoisse, si les soucis et les chagrins remplissent votre vie, tournez-vous vers l'invocation du pardon d'Allah. Combien ont vu Allah alléger leurs soucis, dissiper leurs difficultés, remplacer leur chagrin par la joie, leur étroitesse par l'aisance, leur pauvreté par la richesse et leurs difficultés par la facilité grâce à cela? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui persiste dans l'invocation du pardon d'Allah, Allah lui trouvera une issue à toute difficulté, une solution à tout souci. » Et il le subviendra d'où il ne s'y attend pas. Si vos péchés et vos fautes se multiplient et pèsent sur votre conscience, tournez-vous vers cela. Répétez sans cesse comme vous le pouvez avec sincérité. Astaghfirullah, astaghfirullah. Notre bien-aimé nous informe. Heureux celui qui trouvera dans son livre des actions une multitude d'invocations du pardon d'Allah. Un homme se plaignit au savant Al-Hassan al-Basri d'un besoin, et celui-ci lui dit « Invoque le pardon d'Allah ». Un autre se plaignit de la pauvreté, et Al-Hassan al-Basri lui dit « Demande pardon à Allah ». Un autre encore lui demanda de prier pour qu'Allah lui accorde un enfant. Al-Hassan al-Basri lui dit « Demande pardon à Allah ». Un dernier se plaignit de la sécheresse de son champ et Al-Hassan al-Basri lui dit « Demande pardon à Allah ». Les gens lui demandèrent alors « Comment cela, ô imam ?» Il répondit « Je n'ai rien dit de moi-même. » Allah dit parlant de Noé « Et je dis « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel d'abondantes pluies. » vous dispensera avec largesse beaucoup de richesses et d'enfants et vous accordera des jardins et vous accordera des rivières. Qatada, qu'Allah l'agrée, a dit « Le Coran vous indique votre maladie et son remède. Votre maladie, ce sont vos péchés, et votre remède, c'est l'imploration du pardon d'Allah. La meilleure imploration du pardon d'Allah et la formule la plus parfaite est celle rapportée par At-Tirmidhi d'après Shiddad ibn Aus. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure invocation du pardon d'Allah est de dire « Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dik, mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li. » Quiconque la prononce le jour en y croyant et meurt avant le coucher du soleil sera des gens du paradis. Et quiconque la prononce la nuit en y croyant et meurt avant le lever du soleil sera des gens du paradis. Qu'Allah nous facilite et nous compte parmi ses serviteurs reconnaissants et repentants.